Les vacances, sinon, c'était trop bien. C'était bon à moi jusqu'à. Il n'y avait pas un jour au restaurant, c'est ça que je faisais quoi de ma journée. Je ne m'ennuyais pas. C'était le top des tops. C'était combien? J'avais comme l'impression que les 2 semaines qu'on nous a données, c'était 2 jours. Tellement j'étais saturée. Ouais, ma copine, raconte-moi, non. Qu'est-ce qui t'a enjaillé comme ça? Tant comme non. Il a embelli mes congés. Tant comme m'a mis la bas ici, là. Ah, mof! Et il a dit tant comme m'a fait le top des tops. Le gars m'a amené. Au manège, viens voir ta copine amoureuse. Et t'es seulement accroché à mon bébé comme ça. Ah, ma copine! Après, nous sommes partis à la piscine. C'est vrai que de temps en temps, regardez les filles qui avaient les ventres plats là. Mais tout dans la tête, on me suis. Tu es trop bête! Non. 26, 27, 28, nous sommes partis au cinéma. Nous sommes partis voir les films d'amour, les films d'horreur, les films de Noël. La partie qui m'a le plus intéressé, c'était pendant les films d'horreur. Mais ça fait pas peur. Je m'accroche comme ça là que. Alors que les sorciers de mon village font pire que ça. C'était trop bien. Ne m'ennuyais pas. Et presque chaque jour, on était ensemble. Donc, le gars se rassurait que non, son bébé adoré passe des congés impeccables. Non, il fallait voir. L'amour volait comme ça, l'amour planait. Et si tu m'as dit, raconte mes vacances, tu as passé tes congés comment? Ah, ma part. Ah, c'était là. Ma mère a privilégié mon petit frère, non? Donc, mes vacances n'étaient pas aussi bien que les tiennes. Donc, vas-y, donc raconte ta part. Donc, le 27 décembre, c'était mon meilleur jour. Il m'a amené à Yafé. Bien voir les caprices d'une fille. Bé, je veux le chocolat, il achète. Bé, je veux la glace, il sort l'argent. Bé, je veux le shawarma, c'est comme tu veux. Quand il voulait même dire que non, je veux me filmer devant, je suis les chevaux. Il dit, bébé, fais comme tu veux. Ce sont tes. Ah, non, c'était trop bien. Ah, non, c'était trop bien. Là, ouais, ça va, là, non, les vacances sont rien finies. Voilà l'école qui a que de recommencer. Concentrons-nous. C'était trop bien. Ah, moi, ça sera difficile de me concentrer parce que moi j'ai encore le souvenir des congés, ça a inondé mon cerveau. Moi, de toutes les façons, ma mère m'a dit que le deuxième trimestre, non, c'est le trimestre le plus difficile. Donc, il faudrait que je me concentre bien à l'école pour avoir un 16 de moyenne parce qu'elle m'a promis beaucoup de choses, c'est que moi, un 16 de moyenne. Ok, allons-y, allons pousser. Là aussi, ta mère t'a su ton cadeau, elle va aussi attirer ma papa. Comment tu sois encore après ma fille, c'est toi là. Eh non, mais ça, quand nous sommes les 16 d'une autre mère. Ma petite. Mince, je sens que l'année-ci là va être la magie, ça va être une belle année. Ça faisait longtemps que tu n'avais pu croiser sur ma route en allant au lycée. Tu vas me croiser sur ton chemin que tu passes encore où je passe, t'as comme. Ok, c'est la même route, non? C'est la même route du lycée, est-ce que ça a Bref. Changé? Sinon, comment étaient les fêtes de fin d'année? Rien à signaler, comme les années antérieures. Ah, moi c'était là, c'était plutôt pas mal, j'ai découvert. Je sais, on sait tous. On sait tous ce qui s'est passé avec Diane. Pas besoin de raconter. Je dis, tu es seulement fâchée. Toi, tu sais quoi? Je suis fâchée, t'attends. Je suis fâchée. C'est le troisième jour de l'année. Tu vas t'en sortir. On n'est pas obligé de marcher ensemble. Tu as compris? On n'est pas obligé de marcher ensemble. Tu as fini. Vous avez fini vos amourettes avec Diane. Piscine, Diane. Manège, Diane. Ciné, Diane. Les choses des blancs. Tu as pensé à moi, Takam. Et qui? Même pas un appel, même un message de bonne année. Donc, c'était sucré comme ça. Ouais, attends, je dis, toi, tu te fâches maintenant là que. En fait, je devais penser à toi. Diane, c'est ma petite amie, donc c'est normal qu'elle pense à elle, non? Moi, je devais penser à toi en tant que qui? En tant que qui, Takam? Tu ne m'as pas dragué, Takam. Tu as fini de me draguer. N'est-ce pas qu'on drague, on finit? Si tu avais fini, on ne devait pas sortir ensemble, Takam. C'est quelque chose, ça. Tu n'as même pas pensé à moi, même l'appel, le message, Takam. En tout cas, je t'ai dit. Reste dans ton coin avec ta Diane. Faites vos amoureux ensemble. C'est venu me trouver, Takam. C'est venu me trouver. Tu dragues une fille, tu ne peux même pas finir. Ne me cherche pas l'année cela. Comme l'année a commencé, la nouvelle année me tourne. Ne me cherche même pas. Pardon, reste dans ton coin. Ah, on est dans la même salle de classe. Ne me cherche plus. On ne s'assoit pas ensemble. On est obligé de se parler. On est obligé de se voir. Diane passe. Diane parle là. Elle n'a même pas le corps de la piscine. Regarde-moi. Avec sa grosse voix comme ça là. Ou bien tu as même vu quoi derrière elle, c'est toi qui sais. Ne me cherche plus. La nouvelle année, c'est là, non. Ne me cherche plus. Toi, tu as dit que j'ai commencé à te draguer et il n'est pas fini.
commencé à te draguer, j'ai vu mieux ailleurs et je suis parti. Non? Est-ce que c'est obligé que quand tu commences à draguer quelqu'un, tu dois finir? Vous, les filles, c'est parce que vous faites avec nous. Vous avez toujours plusieurs dossiers sur la table et puis vous choisissez un gars, vous sortez avec lui. Non? C'est quoi? De toutes les façons, tu vas me supporter l'année, si là on est dans le même établissement, la même classe. Chaud d'abord les problèmes. Sinon, comment tu as passé ta nuit alors? C'est ça, c'est maintenant que tu viens me demander comment était ma nuit. Depuis le matin que tu es arrivé au lycée, tu m'as même dit bonjour, bébé. Ya! Donc, tu ne vois pas que je suis arrivé à la fin du rassemblement. Et puis après, le professeur d'anglais est entré en salle. Il a directement commencé. Donc, j'ai trouvé le temps de te poser la question. Tu me trouves les problèmes. C'est ça, je n'aime pas le problème. Quoi. Tu sais que c'est les problèmes aussi qui mentent un couple, non? L'amour, non? L'amour ne doit pas être trop mou. Parce que c'est mou, le genre qu'on peut toucher, ça fait gnon là. Non, c'est que ça sera plus bien. Non, mais toi, tu je ne sais pas tout et n'importe quoi comme problème. Hey, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de faire des problèmes, je fais moi seulement mes problèmes. Voilà, ben, tu sais que la dernière fois que nous sommes partis au manège, là, c'est quand j'arrive à la maison que je me rends compte que tu as mis le mambo dans mon sac. Ah, bah là-bas, tu manques. Je ne sais pas. Tu savais. Je ne savais pas. Mais qui, tu n'as pas su. Je vois. Non, mais c'est vrai que comme tes yeux sont doux sur la nourriture, là, non, forcément, tu devais voir. Non, mais j'étais dans la main. Hey, hey. En tout cas, chaque fois que je l'occasion de t'acheter yaourt ou alors chocolat ou biscuit, ça sera toujours avec plaisir. Non? Là, l'amour là va augmenter aussi. Ah, pourvu que mes grands prévégantes m'envoient toujours l'argent. Oh. Ils vont t'envoyer au nom puissant de Jésus. Amen. Yeah, yo, regarde derrière toi. Ayo. Hey. Vous allez où? En classe, monsieur. Quelle classe? Circulez, vous n'allez pas dans ma classe. Je vous dis de circuler. Circulez. Vous ne voulez pas circuler? Regardez-moi les crustacés comme ça. Alors, les amis, apparemment le congé était bien. Hein? Je vois comment les jours sont sortis là. Hein? Mademoiselle Nama, vous n'entrez même plus dans la tenue. Donc, on va l'ambassadeur là, qu'est-ce que tu fais là? Monsieur, retournez à votre place. Après, ça, ce sont les gens qui iront habiter chez les femmes plus tard. Donc, ça, que les nouvelles habitudes commencent. Alors, mademoiselle Ngo Nengla, qu'est-ce que c'est ces couleurs que vous avez ramenées sur votre tête là? Monsieur, c'était la fête. C'était la quoi? C'était la fête, monsieur. La fête! Et c'était vous la mère, ouais? Vous allez m'enlever tout ça, hein? Elle n'est même pas la seule. Je vois. Celle-ci a carrément fait la cascade sur la tête. Toutes les incohérences vestimentaires, là, au prochain cours, je ne veux plus voir ça. Ça va s'arrêter pour ce cours-ci. Donc, aujourd'hui, on va... les deux que j'ai laissés dehors, là, entrer rapidement. Fais vite, on n'a pas que ça à faire. Les crustacés. Avec les chaussures de Noël. Alors, j'avais laissé un certain nombre d'exercices ici, non, la dernière fois. Question de garder un peu la main. J'avais laissé l'exercice vrai ou faux? Vrai, hein? Sortez-moi rapidement les devoirs que j'ai laissés là. Faites vite, je veux voir les devoirs sur les tables. Quand tu vas finir la fête, on repart aux choses sérieuses. Alors, les devoirs. Pourquoi personne ne sort son cahier?
Vos affaires marchent avec le réseau. Sortez-moi les devoirs rapidement. Je pense que vous avez besoin que je vous rafraîchisse un peu les mémoires. Hein. Je veux voir les devoirs sur les tables. Tout de suite. Voilà. Alors, monsieur Amboma. Impeccable comme d'habitude. Merci, monsieur. Mademoiselle Raimatou. Mais je demande, l'enfant s'était tombé du berceau. Vous arrivez à lire ce que vous écrivez là? Son père arabe. C'est illisible ça. Oh, vraiment. C'est presque illisible ça. Bon, soit. Mademoiselle, où est votre devoir? Monsieur. Allez, m'attarde devant. Monsieur, c'est... Rapidement. Devant. Monsieur, prenons c'est... rendez-vous là devant, vous allez m'expliquer. Au suivant. Ok. Monsieur, où sont mes exercices? Ça a volé mon cahier. On a volé mon cahier. On va aller enquêter là-bas devant. Allez, m'attendre. Ça a volé mon cahier. J'ai dit devant. Monsieur, rapidement. Ah! Quelle bonne surprise! Vous avez fait l'effort quand même de faire mes devoirs. À la fois. Le reste de la classe l'a fait comme lui. Hein. Ceux qui n'ont pas fait les devoirs, allez m'attendre au carrefour là-bas devant une fois. Ça va m'économiser en énergie. Mais monsieur, le règlement a changé. C'est demi-saison maintenant. Mais il me regarde, on dirait un globule. Où est votre tenue? Mais c'est ça l'assurance. C'est? L'assurance. Et vous êtes là, vous faites quoi ici? Vous êtes au-dessus de la surveillance? On l'a confisqué à cause de la barbe, monsieur. Je vais m'occuper de votre cas plus tard. Tout à cam. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore assis ici. Hein? Je n'attends rien de bon de vous. Oh. Mais voyez-vous ça? Monsieur Takam, vous avez fait les devoirs! Yeah. Faites-moi voir ça! Vous avez encadré les formules. Monsieur Takam, tout est faux, mais au moins vous avez fait les devoirs! C'est essentiel! C'est bien ça! Nouvelle année, nouvelle méthode. Faites comme Monsieur Takam, hein. Ratez, mais au moins faites le travail! Où sont mes devoirs, mademoiselle? C'est mais votre cahier là s'ouvre avec un cadenas, ouvrez-le que je vois mes devoirs. Sciences naturelles, chimie. Mais votre cahier c'est la salade de fruits? Merci. Où sont mes devoirs? C'est à la piscine. J'ai fait ça ici dedans. Et c'est où? C'est comme si ça a disparu. Mademoiselle Nama, allez m'attendre devant. Monsieur, ça ne se voit pas bien. Mademoiselle Nama, allez m'attendre devant. En fait, monsieur, j'étais au village, je n'avais pas le courage. Vous étiez où? Au village. Allez donc m'attendre en ville. En fait, monsieur... Rapidement, allez m'attendre devant. Mais c'est la plupart du temps, ce sont les politiciens qui prennent le devant de la scène. Ma mère m'avait dit de ne jamais faire la politique. Vous voulez m'apprendre à vivre? Allez devant rapidement. Rapidement. C'est seulement parce qu'il faut envoyer tous les enfants à l'école. Hein. Ok. Alors, vous là. Alors, vous êtes en train de m'expliquer que vous n'avez pas, pendant 2 semaines, trouvé une seule seconde pour faire les devoirs. Donc vous êtes meilleur que tous ceux qui ont travaillé là. Mais vous prenez pour qui? Il est inadmissible qu'en classe d'examen, on vous laisse quelques petits exercices, 2 semaines pour les faire. Vous ne faites rien. Non mais vous n'êtes pas soucié de votre avenir, hein, j'ai l'impression. Ça va vous faire 10 coups chacun. Je vais vous remettre les idées en place. Mademoiselle Nama, tournez-vous rapidement. D'abord, enlevez-moi ce machin là. Monsieur... Qu'est-ce que c'est? Enlevez-moi ça. Monsieur, essaye. Ne me poussez pas à doubler les coups.
Enlevez-moi ça. Vous, Seigneur, vous êtes le Christ. Enlevez-moi ça. Donnez-moi ça. N'importe quoi. Tournez-vous et mettez-moi les mains sur le mur. Prématuré. Les prématurés font leurs exercices. Mais n'aime pas qu'on me tape fort. Vous pensez qu'on est ici pour s'amuser? Mal. Oui, je ne sens plus mes fesses, c'est comme si ça avait disparu. Tout ça, c'est à cause du 11e coup là, alors qu'il a dit qu'il donnait 10. Mais ma copine, toi aussi, tu faisais comment pour ne pas faire le devoir en 2 semaines de congé? Elle dit j'avais le livre. Mais t'es quand même venu prendre le livre chez moi, non? Je croyais que vous deviez faire le devoir ensemble. C'est chez toi que Takama a pris le livre pour faire ses devoirs. Oui, non. Il est venu le 24 matin, il a pris le livre, après il est venu me remettre. Mais c'est le même 24 là que nous étions à la piscine. Ah, sûrement donc il a fait ses devoirs avant de partir à la piscine. Avec la grosse voix, parle comme un enfant. Monsieur, je suis prématuré, monsieur, je suis prématuré. Ma copine, bah, laisse-la. Tu as fini la douleur de mes fesses sur ta tête. Ah, avant? Ah, avant? Il y a lu quelque part que avant c'était pire. À l'époque de nos parents comme ça, à l'école, on les chicotait comme ça là. Et après, on les mettait dehors. Et puis ils devaient avoir accès à la classe même une semaine après. Notre génération-ci là, on est mieux. Hein. J'ai lu dans un livre là que, en fait, la chicotte renforce notre personnalité. Et que le tuyau à gaz principalement, ça fait ressortir les traits de caractère. Il y a une citation là qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est un peu ça la force de l'expérience. Donc, comme on t'a tapé là, ça t'a donné la force. Demain, tu seras une femme forte et indépendante. Tu auras ta propre page Facebook. Tu auras beaucoup de likes. Beaucoup. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Bon, pour ça, il faut que tu aies un enfant. Hein. Toutes les femmes fortes, indépendantes, là, elles ont, tu as une petite fille, un petit garçon, et qui elles se filment avec Jazz, c'est toute ma vie. B, tu m'écoutes. D'accord. Voilà l'année 2022 qui est en cours. Quand tu essaies de faire une évaluation, tu essaies de faire une introspection, tu te classifies dans quel genre de personne. Tu es une bonne personne, tu es une mauvaise personne, tu es au milieu. J'étais une bonne personne. Hein. Je suis une bonne personne à la base. Tu es une bonne personne. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Je demande, tu avais le livre de maths. Qu'est-ce que ça a à voir avec la bonté? Réponds à ma question, tu avais le livre de maths?
Jean, tu n'avais pas le livre à mettre. Le bon monsieur a porté ses brindilles qui te servent de pied. Tu es arrivé chez Raïsa le 24, le jour où tu m'amènes à la piscine. Tu vois à quel point tu es mauvais. Tu es bon. Un homme bon se dit est capable de tuer quelqu'un, est capable de voir l'autre mourir. Ta bonté l'a écrit dans quel livre ça? Dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament ou le Testament androïde? Dis-moi! Hein? Est-ce qu'elle savait que tu n'avais pas fait le devoir? Est-ce qu'elle savait que tu n'allais pas faire le devoir? Tu as demandé à qui? À quel moment jusqu'à t'as dit? Tu t'es même d'abord soucié de ça? À quel moment? Sache que. Nouvelle année, nouvelle relation. Donc, en toute bonté, cherche quelqu'un d'autre avec qui sortit. Parce que moi, je ne suis plus là. Imbécile! Soigne! Est-ce que c'est à cause de moi si on t'a fessé? Non, c'est à cause de ta grand-mère! Moi aussi, j'avais fait ça à la police à cause de ta bonté. Jusqu'il ouvre la porte, tu dis que c'est à cause de moi. Elle est à cause de moi. Sache que si demain ou après demain, la vie me bastonne parce que je ne suis pas en mesure de m'asseoir avec mes deux fesses. C'est que tu vas me sentir imbécile comme ça. Jusqu'on arrive en classe, il ouvre la blocage, plein de fautes. Il secoue la tête à Ignan parce qu'on l'ovationne. Pour faire quoi? Il se le salopard pour se cacher pour faire les devoirs. Quand toi et moi qui est plus fort en maths, c'est pas moi. Quand les bêtes ne se cachent pas, imbécile, tu voulais me noyer. Tu vois les réponses, les formules que tu as gardées là, c'est ça qui était la réponse. Chouane, imbécile comme ça, noyant, sorcier. Hé, si tu tentes d'accord t'approcher de moi, même à l'école, je vais te racler. Salopard, chouane, pendu, vampire, noyant. Tu vas partir en enfer, imbécile! Voyou! Diane! Pourriture. Diane! Ouf. Diane, est-ce qu'il savait que tu n'avais pas fait le devoir? Est-ce que c'est moi qui devais faire ton devoir? Diane! Oh. Diane! Mabé Djemguina Wandu Kwam! Diane! Et oui, Bimoulet d'abord, ouais, 2021 c'est terminé, 2021, c'est 2021 qui est terminé, non? Oui, donc c'est terminé, merci beaucoup à vous qui avez été avec nous. La communauté Bimoulet est magnifique, vous nous avez été fidèles. Cette année encore, 2022, de belles choses. C'est rentré, la rentrée des programmes. Les capsules sont de retour, les délits vont venir plus tard, le journal arrive, il y aura plein de choses. Il y aura un nouveau projet qui va se faire du côté de la région de l'extrême nord encore, ce sera magnifique, une année 2022. En beauté. Et au tout début comme ça, on a envie de vous souhaiter tous une bonne année.